Salut à toutes et à tous, c'est Mister Tumat, on se retrouve pour le 19ème, et oui, déjà 19ème épisode sur Pokémon Lune. On venait de rencontrer Elzamina, et on ne sait pas ce qui s'est dit, parce que, voilà, mystère, secret et boule de gomme. Eh bien, on va essayer de trouver des réponses, en tout cas, dans ce 19ème numéro. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, pour les futurs let's play... Si vous avez des choses qu'on pourrait améliorer, etc. C'est mon premier let's play sur YouTube. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît, qu'il vous fait rigoler et surtout qu'il vous fait passer un bon moment avec moi. Et peut-être que... j'ai une tâche sur l'écran. Qu'est-ce que je voulais dire? Et peut-être que vous jouez en même temps à votre jeu pendant que vous regardez ce let's play, ce qui me ferait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Comme d'habitude, le starter que vous avez choisi, etc., etc. Eh bien, allez-y, dites-moi tout en commentaire. Alors, permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue au Paradis de Heather. Et donc oui, je suis encore un peu malade. Ça doit s'entendre, salut. Donc ouais, me souhaite la bienvenue, c'est cool, tranquille. Je suis Elzamina, la présidente de la Fondation, c'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Ah mais sa coupe de cheveux est improbable. Hein. Je me réjouis de constater qu'il existe des dresseurs comme vous qui débordent de bonté... qui renforcent leur lien avec leurs Pokémon en effectuant le tour des îles. Vous valez bien plus que ces misérables qui pensent qu'à utiliser ces pauvres amours pour de l'argent et sans se soucier de leur bien-être. C'est tout pour moi, ces pauvres petits Pokémon maltraités, que je décide d'agir en les prenant sous mon aile. Ils me sont si précieux, je berce de toute mon affection, je suis comme une mère pour eux. En même temps, les Pokémon sont venus d'autres mondes, on a le... Hein ? Et même les Pokémon venus d'autres mondes ont le droit à mon amour. D'accord. Mademoiselle Elzamina, t'es vachement sérieuse pour ton âge. Tilly, mon petit, j'ai 40 ans passé, tu sais. Quoi ? Quoi ? Pouah, c'est la MILF, tu vois. Il y a la MILF et il y a Elzamina, tu vois. Et là, on est vraiment au-dessus, hein. 40 ans. 40 ans, mais je la déglingue. Elle est légite. Tout est une question de style, mais tu dois être trop jeune pour comprendre, à en juger par ton accoutrement. Je t'emmènerai visiter quelques boutiques un de ces jours. Tu aideras à choisir des vêtements qui te mettront en valeur tout comme moi. Putain, mais 40 ans, c'est pas possible. Je suis pas sûr que ce genre de robe m'aille vraiment par contre sur les, je dirais... Ok. Petite blague, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ah, et tout ira tellement mieux si les enfants écoutaient les adultes. Ok. What? Cette secousse, cela venait du sous-sol, je crois. Un trou de balle dans le mur. Et notre première rencontre avec l'ultra chimère. C'est ouf. Ah donc ce qu'on a vu dans le trailer, c'est ce qu'on a vu là quoi. Ah non, ça rajoute des choses. L'ultra chimère tout droit venu d'un autre monde. Floub, floub. Reculez, madame Elzamina, il y a un truc qui cloche. Pourquoi il dit ça? Pauvre petite chose. Attends, je regarde au cas où. Et on a officiellement à 9h de jeu. Floub, floub. Ah, direct. Direct bagarre. Je vais te tuer, de toute façon je peux pas la capturer. Hein.
Je ne peux pas la capturer. Les Pokémon ne marchent pas, donc autant mettre KO l'Ultra Chimère. Je pourrais vérifier, hein. Histoire d'être sûr, mais... Tu vois, impossible de lancer de Pokéball dans la réserve. Peu importe. Donc voilà. Aïe. Ouh, ça fait mal, hein. Voilà, c'est super efficace, le Pokémon est KO. Oh, niveau 30. Hype, 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 hype. Ah, c'est ouf. What? Ah, c'est barré. La créature mystérieuse a disparu. Il me faut absolument récupérer ce Pokémon qu'on a lâchement enlevé. La créature que je viens de percevoir et aucun doute c'était une ultra chimère. Un être vivant venu d'une dimension inconnue de l'autre côté de l'ultra brèche. Elle avait l'air de souffrir terriblement, la preuve perdue en ce lieu c'est qu'il lui est totalement inconnu. Je peux pas rester les bras croisés face à un tel spectacle. Je dois voler à son secours. Je vais retirer les lunettes parce qu'avec le casque ça fait un peu chier. Merci à vous deux. Grâce à ma détermination. Forte que jamais, blablabla blablabla. Allons-nous avoir des cosplays d'Elzamina? Vicky, dites-moi, ces deux enfants réalisent leur tour des îles, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'aurais de bien vouloir les conduire jusqu'à la prochaine île de leur périple. Très bien, je m'en charge. Quant à moi, je vais m'acquérir de l'état de santé de mes chers petits que nous venons d'accueillir. On va essayer de voir Sobonne pour comprendre ce qui s'est passé au sous-sol. Il se passe des choses là-dedans. Je dois veiller à ce que la Fondation Lézard soit prête à recueillir des ultra-chimères dans un avenir proche, c'est pour nous une priorité. Venez les enfants, je vais vous accompagner à l'île de Hula Hula. See you. Du coup, on voit un peu que j'ai des cernes, non? Bon, ça va. Allez, que je verrai une ultra brèche de mes propres yeux, faut qu'on raconte au prof. Ah oui, à ce propos, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Alors, si vous lui en parlez, dites-lui que c'est un accident, d'accord? En tout cas, merci de votre visite au paradis. Alors, tenez, j'ai un petit cadeau. D'accord. Malasadas, c'est encore le meilleur. Quand c'est partagé. Je vois ce que tu veux dire. Rien ne vaut goûter en compagnie de ce qu'on aime. Et pour toi, une CT, elle contient Psycho. Ça, c'est bien. Plutôt pas mal, Psycho. C'était 29 Psycho. C'est mis dans la poche. J'espère que votre tour des îles vous réservera encore de belles surprises. Ouais, bon bah... Ouais, je suis sûr qu'il se passe des trucs chelous. Mon casque me gêne, là, c'est ouf. C'est ouf, là, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'appuie sur le cuir chevelu. Ça, je perds mes cheveux. Je perds mes cheveux ou pas, là? Non, ça va. Y'a pas de trou. Regardez-moi cette coupe de cheveux de beau gosse. Attends, il va te découvrir un truc trop d'émotion. Faut que je grignote un truc pour me calmer. Désolé. Kelly pense qu'à bouffer. Pressé de finir le jeu quand même. Découvrir tout le late game. Ah, ouais, elle est grande l'île. L'île de Hula Hula. Il y a des grottes de glace, donc on va avoir goût
Je crois nous c'est Sabelette dans l'une. Waouh, c'est stylé. Alors les Bekipans un peu moins, hein. Je crois que c'est un des Pokémon que je déteste le plus. Genre Goelish Shiny, j'en ai tué 3 ou 4 à une époque. C'est Chinatown. Ouais, mais les mêlées à quel âge? Tu parles à me sortir Pikachu en 1? Tellement nul, Tilly. Ah, il a un Raichu maintenant. Oh, Raichu d'Alola. Trop stylé. Ah ouais, niveau 28, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Voilà, hop, t'as Daron. Le petit passier. En fait, c'est le counter. Ah ouais. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Ah mais sous ma gueule, je fais Kuba, il fait vive attaque. C'est une blague? Non mais genre c'est une blague. Purée. Ah du coup je sais pas qui a envoyé là. On va le saboter. J'espère pas que. C'est une petite blague. Normalement, ça devrait faire. Putain, mais t'as besoin de vitesse, connard! Putain, mais nique bien ta mère! Non, mais sans blague! Je retire tout ce que j'ai dit sur Tilly, hein. Il est à moins 1 de vitesse là contre sa mère. Ça va, il fait la mauvaise attaque. Mais vous avez vu? Mais t'as vu les dégâts? Mais c'est pas possible. Je suis saoulé. Je veux un Raichu d'Alola, hein. C'est trop fort. Bah oui. Bah oui, envoie Philali, forcément. Forcément. Pompe à merde, va. Puis là, il va me sortir Fatal Foot sur Philali et... Ils sont pas un peu puissants, ces Pokéfions? Sans mauvaise foi aucune, hein.
Il est bander son truc ou c'est comment? Ah mais il me colle trop cher. Au moins que c'est pas super efficace, hein. Oh. Ah, crit-le, je t'en supplie. Ah, puis il me crit la gueule. Non, mais je te jure, le jeu est trop dur. Hein. C'est pas possible. Mais après, je crois que des gigadrines, il en a pas beaucoup, donc... Je veux le PP Wasp. Et puis même, un Picasso, c'est de la merde, hein. Clairon, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment un Pokémon de merde. Je vous assure, ce Pokémon est nul à chier. Attends, il a 4 levels de plus que moi, mais comment c'est possible? Et puis il me recrite la gueule. Je suis saoulé, hein. Les combats ils commencent, ils sont, je vous jure que le jeu est dur. Hein. Le jeu est super dur. Déjà à l'épisode 15 c'était compliqué. Hein. Je crois qu'il a plus de PP. Ah si, il en a encore. Foutage de gueule. Le truc, il a Giga Drain, quoi. Il a déjà Giga Drain, son Pokéfion. C'est moi, j'ai des attaques, elles sont 40 de base power, lui, c'est quoi, c'est 80 ou 90 giga drain. Bah, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Psycho sur Raichu, c'est pareil, hein. Oh mais ta grand-mère la pute. Ta grand-mère la reine des chiennes. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais casse-toi, Philali. Je suis saoulé, hein. Je suis saoulé parce que... Parce que voilà.
Non mais c'est pas possible, 90 de puissance sur Giga Drain, 90, 80 ou 90. Pareil avec Psycho de Raichu, les développeurs, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Encore un coup critique, je sais pas ce qu'ils ont fumé, hein, sincèrement. Je sais pas ce qu'ils ont pris. Les mecs, ils ont pété leur slip, littéralement. Moi j'ai rien, j'ai aucune attaque qui dépasse 60 de base power. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade là ce qui me fait le jeu. Ah non mais c'est délire. C'est un délire. Hein. Je crois que en off, je vais aller entraîner mes Pokémon. Hein. Or let's play, je crois que je vais aller les entraîner. Hein. C'est pas possible. Hein. Ah mais apprends une attaque. Voilà, il apprend pas d'attaque aussi. S'ils font pas apprendre d'attaque stylée, je peux pas faire grand chose. Hein. Ah non mais ce sel hein, les gens ils vont me dire ce sel, mais sa grand-mère hein. La chatte à sa grand-mère à Philali hein. Oh vas-y on lui apprend connu bidon. C'est rigolo connu bidon. Non je veux pas changer, je vais lui casser la gueule à ton matoufeur. Ah, avec lui je suis. Ouais je suis à niveau hein. Ouais, mais la prochaine fois, je le sais, je mettrai au piqueur en premier. Mais vous avez vu le psycho? Le psycho qui m'a collé. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'il m'a mis. Oh. Voilà, j'ai été vulgaire. Désolé si j'ai choqué les enfants. Eh ben, tu ne m'as pas laissé. Putain, ouais, c'est toi qui m'as saoulé là. Il y a un truc spécial au parc de Mali. On verra quand on y sera. Voilà, il y a du nouveau Pokédex. Tu vas débusquer comme Pokémon. Je sais pas encore. Une chose que je sais, c'est qu'on va se laisser là. Cet épisode 19 est à présent terminé sur une belle note de sel. Hein. Merci Tilly. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 20. Déjà l'épisode 20. Oh. C'est incroyable, en tout cas si tu as aimé me voir rager, hein, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, et puis si t'as aimé la vidéo, un pouce bleu, et t'abonner à la chaîne si tu veux ne rien louper, et abonne-toi aussi aux notifications de la chaîne YouTube. Tu sais, c'est le truc qu'ils disent de faire là, tous les YouTubeurs du moment, parce qu'en fait, YouTube n'envoie plus de notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, donc de toute façon, les vidéos, alors oui, il faut que je le précise, à partir de maintenant, mais tous les jours, je pense à 16h, soit une à 13h, soit une à 16h, mais tous les jours il y a des nouvelles vidéos. Tous les jours, en revenant de l'école ou quoi, il y aura une vidéo sur YouTube. Parce que, bah, il faut bien que je les sorte. Donc, c'est soit je fais un épisode à 13h, un à 16h et un à 19h si j'en fais 3. Sinon, c'est un à midi et un à 16h. 16h ou 18h. Et le dimanche, je mets 3 vidéos. Parce que, comme le dimanche, c'est tranquille. Voilà, c'est le repos, samedi et dimanche, le week-end j'en mets 3. Donc je verrai au niveau des planifications, mais ouais c'est vrai que j'aurais dû le dire depuis le début que bah, les vidéos elles seront quotidiennes. Tous les jours une nouvelle vidéo, mais j'en profite pour le dire maintenant. Enfin bref, sur ce je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 20. J'espère que celui-ci vous a plu. Et on va découvrir l'île de Hulahula. Donc qui dit nouvelle île, dit nouvelles épreuves, qui dit nouvelles épreuves également, dit nouveaux doyens et nouveaux... gardien. Bref, des bisous à tous et à très bientôt.